Et bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle VOD des songes, des 1000 jours en hardcore, j'allais dire des 100 jours en hardcore. Bah oui, non, c'est pas 100 jours parce qu'aujourd'hui on va les atteindre les 100 jours. Hein. Aujourd'hui, ce soir, là, dans ce live, on va les atteindre. Ça fait plaisir. Allez, on relance direct. Je vais m'empresser, putain, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Hein. Oulala, ça va être compliqué, je sens ce live. Hein. Je vais m'empresser de remettre mon petit shader. Et on va continuer là où on s'est arrêté. Alors hier soir, parce que du coup hier on était jeudi et vous le savez comme tous les jeudis on a continué. Alors du coup effectivement, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer déjà par expliquer déjà pourquoi il n'y a pas du coup ce qui avait prévu sur le planning aujourd'hui, c'est-à-dire Mario Party. Eh bien c'est parce que déjà de base on est deux, hein, donc voilà, on est que deux hein, pour ce Mario Party. Donc faire un truc à deux ça va être compliqué, hein, on va pas se mentir. Donc j'ai décidé qu'on décalerait ça plutôt à la semaine pro, c'est plutôt plus intéressant pour nous de jouer la semaine prochaine. Quand il y aura plus de monde, surtout que bon, je suis un petit peu pressé parce que si vous n'êtes pas au courant, demain je suis pas en live, demain je suis à un mariage dans ma famille. Du coup, j'avais beaucoup de choses à préparer, on va dire, notamment pour la vidéo qui va sortir demain là. Et enfin, pour YouTube, ce sera au moment où cette vidéo là sera sortie, on va dire, en tout cas, c'est cette VOD là. Et le truc, c'est que bah, du coup, il fallait que je prépare beaucoup de choses et j'ai pas trop eu le temps de m'occuper du Mario Party, etc. Donc, dans tous les cas, ça m'arrangeait plutôt bien, on va dire. Et puis de toute façon, j'avais pas trop le time. Voilà, pour être honnête, j'avais pas trop le time, ni même la motivation de faire ça à deux là, honnêtement, j'avais pas envie. Je préférais qu'on soit plusieurs et me faire une grosse soirée plutôt où on joue au jeu et tout, ça sera plus sympa, je pense, plutôt que de faire un truc à l'arrache dans notre coin. Donc on verra plutôt pour la semaine prochaine. Alors qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Mario Party. Du coup on rattrape aujourd'hui les jours qu'on n'a pas fait hier soir, parce que hier on était jeudi et manque de bol, et bah hier on n'a pas pu trop faire de... Ça a failli très mal commencer, hein. Ça a failli très très mal commencer. Déjà pourquoi le son du jeu est si faible? Ce qui fait que j'ai pas pu entendre le creeper arriver. Ouais, bah ça commence très bien, il va falloir que je répare ce champ. Bah je crois qu'on va pas le réparer tout de suite parce que là j'ai un petit peu la flemme. Et du coup ouais, donc je sais plus ce que je disais exactement. Si je crois que je disais... Putain mais qu'est-ce que je disais juste avant? Oui, que du coup on rattrapait les jours d'hier parce que hier on a eu un petit problème et du coup on a pas pu exactement faire tous les jours qu'on était censé faire. Bon ouais, je ferai ça plus tard, hein. Excusez-moi mais là j'ai un peu la flemme. Et donc on rattrape ça ce soir. Mais idéalement d'habitude c'est tous les lundis et les jeudis, vous êtes habitués maintenant. Pour cette série là. Voilà. Mais du coup, exceptionnellement, aujourd'hui, on rattrape. Du coup, alors, pour le programme du jour, il est très simple. On va aller au jour 100 de toute façon ce soir. Donc, on va faire l'end. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, là, on va le faire tout à l'heure. Sauf qu'on va prendre un petit peu notre temps. On va d'abord se préparer un petit peu parce que là, on va aller faire l'end en hardcore. On va aller faire l'end même en plus avec une difficulté qui est à poil augmentée. Puisque je rappelle que dans cette série, les mobs ont du stuff, etc., etc. Donc, en gros, voilà, on n'est pas sur un truc plutôt classique. On va dire, on est plutôt sur quelque chose d'un peu plus énervé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre temps pour se préparer comme il faut. Parce que si on y va et que je meurs connement alors que j'ai par exemple plein de totems, ça va me faire chier, tu vois, par exemple. Et puis en plus de ça, il y a aussi autre chose, je n'ai pas préparé les perles ni les trucs et tout ça. Donc on va s'en occuper aujourd'hui, on va préparer un petit peu de quoi aller dans l'end. Parce que voilà, on n'a plus rien. Et il faut aussi que je me refasse de la bouffe parce que par exemple j'ai plus rien, j'ai plus de bouffe, j'ai que dalle. J'ai même plus de torches, j'ai même plus de flèches, enfin voilà, je suis à la rue complètement là. Dans les derniers lives en fait, j'ai monté mon stuff en full P4 exprès, donc ça y est, je suis en full P4 Netherite, hein, totalement legit. Évidemment, je vous laisse regarder les précédentes VOD, hein, si vous voulez voir comment on en est arrivé là, pour ceux qui éventuellement n'auraient pas suivi. On est au jour 88, hein, donc il y en a eu du chemin. Et voilà, donc on va dépasser le jour 100 quoi qu'il arrive aujourd'hui, parce que le cycle jour-nuit dans cette série est de 5 minutes, 5 minutes, donc ce qui fait que un jour équivaut à 10 minutes au total, et donc ça fait qu'en une heure, on a 6 jours. Donc là, bah, 6 plus 6, ça fait 12. Ça tombe bien, il manque 12 jours pour arriver aux 100 jours, donc dans tous les cas, ce live se terminera par le passage au 100e jour, si j'arrive à survivre jusque là. Et c'est pour ça que du coup je vais essayer de me préparer un petit peu parce qu'on a le temps. On a un petit peu le temps là. Donc on va se préparer bien comme il faut. Et là d'ici une petite heure on va se diriger vers l'end. Voilà. Oh, le petit livre Infinity que je n'ai pas. Alors le truc c'est que j'ai pas le droit d'utiliser ce livre Infinity malheureusement. Puisque le stuff que je drop des mobs, je n'aurai le droit de l'utiliser que à partir du jour 200. Donc c'est pas maintenant. Et puis surtout, qui dit jour 100 dit augmentation de la difficulté. Voilà, c'est ça le truc. C'est augmentation de la difficulté. Donc pour l'instant, ce n'est pas défini. Mais ce qu'on va faire, c'est que quand on dépassera ce jour 100, donc c'est-à-dire tout à l'heure si on y arrive, on établira un panel de difficultés supplémentaires qu'on rajoutera pour la prochaine fois. Peut-être pas la prochaine fois de suite, mais faut voir, parce qu'il faut que je le rajoute en développement à la fin, du coup, comme dit Kratos. Du coup, voilà, ça sera ça la prochaine difficulté. C'est on va établir les prochaines difficultés ensemble, parce que du coup, tous les 100 jours, la difficulté augmente. Et donc là, bah, vu qu'on arrive au 100e jour, bah, va falloir passer au-dessus, quoi. Voilà, va falloir améliorer la difficulté.
Et sans pour autant que ça devienne impossible, on rappelle. Parce qu'en fait, il faut faire évoluer la difficulté par rapport à notre stuff actuel. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on peut faire en sorte que certains mobs me détectent ou que... Je sais pas comment on peut faire, mais c'est vraiment des idées à la con. Donc, on réfléchira à des trucs qui sont pas impossibles. Par exemple, on mettra pas en UHC de suite. Hein. L'UHC, ce sera un petit peu plus tard, je pense. Ce sera plutôt vers le jour, je dirais, plutôt 500, quelque chose comme ça. On verra si on arrive à survivre jusque-là. Mais en gros voilà, donc la prochaine fois la difficulté va augmenter. J'en profite un peu pour me faire un masse de bouffe voilà, parce qu'il va me falloir beaucoup de bouffe. Putain, il y a un Enderman ici mais on va pas le récupérer. Donc voilà, vous avez toutes ces infos, donc ce sera pour la prochaine fois. On aura le temps d'ici là d'établir les prochaines difficultés. Bon évidemment ce sera pas demain qu'on va les établir parce que demain je suis pas là. Du coup demain je suis pas chez moi. Mais par contre ce sera très certainement le live de dimanche ou un truc comme ça où on va chercher à établir je pense les nouvelles difficultés. Et tout ça quoi. Donc voilà. Alors merci du coup Jirateki. Merci Kraneki pour les 6 mois. Merci beaucoup Codecube. Évidemment pour les 20 mois de subs. Alors ça c'est légendaire. Ok, j'ai cru que c'était un creeper chargé. Donc j'ai eu très très peur. Parce que là le creeper chargé ça me one shot. Hein, donc on va pas prendre le risque. Je rappelle que même en étant full P4, les mobs... Enfin on est quand même en hardcore. Et surtout les mobs sont énervés. Donc ça fait que à tout moment là je me fais one shot par un creeper chargé qui me détecte de je sais pas d'où. Donc on va juste se faire gaffe quand même, pour pas essayer de trop perdre. Attendez, hein. Merci aussi à Zeneko du coup. Lâchez votre subagil ou je viens chez vous et je mange toutes vos pâtes. Ah ouais, carrément, putain, ouais, mangez les pâtes. Ah ouais, moi perso j'ai peur, hein. Quand tu m'annonces ça mec, mon perso ça me fait flipper. Hein. Clairement, je te le dis, moi j'ai vraiment peur, hein, quand tu m'annonces ça comme ça. Alors en plus au niveau du stuff, on s'en fout maintenant, on peut prendre masse de dégâts, parce que du coup vu que mon stuff est mending, mon stuff ne se cassera jamais. Hein. Donc voilà, mending c'est raccommodage, donc ce qui fait qu'au lieu de ramasser de l'XP, en fait ça répare mes outils qui sont mending. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je gagne pas de l'XP, je gagne plutôt de la réparation, je gagne de la durabilité. Si tu regardes, là regarde, je suis à 1526. Là hop, je tue, tu vois. Pareil, je vais tuer ce mob là, regarde. Hop. Attends, on va y arriver parce qu'il est un peu énervé lui. Voilà, tu regardes ça. Et ben voilà, 1556, tu vois, j'ai ramassé 32 dura juste en prenant un kill. Donc bon, autant te dire que c'est super simple du coup d'avoir tout son stuff maintenant. En fait j'ai passé les trucs les plus chiants quoi en fait hein. Lors de ces 88 premiers jours on a fait tous les trucs chiants, c'est à dire surtout préparer les PNJ et tout ça, c'était un peu compliqué. Là maintenant qu'on a fait ça en fait on est un peu tranquille, on va pouvoir juste se concentrer sur aller finir le dragon. Et une fois qu'on aura fini le dragon, tout le reste après ce sera pour après tu vois. C'est à dire voilà, je me garde le dragon pour le jour 100, ce sera parfait, on finira l'end. Puis surtout le fait d'aller dans l'end, ça me permet d'avoir des élytras. Et bordel les élytras mec, ça va me changer la vie. Donc autant dire que j'ai vraiment hâte d'y être quoi. Voilà. Merci Karma, j'ai une petite question qui me serait d'une grande aide. Comment tu as fait pour gérer la musique sur ton stream? Différence de volume plus de strike dans les rodiches. Merci de ta réponse et désolé du dérangement. Alors c'est tout simple, ça mon cher un Karma, je vais te répondre pendant que je vais refaire des potes hein. Vite fait. Oh mais attends, j'ai beaucoup de laine, mais what the fuck, c'est quoi toute cette laine? J'avais même pas vu que j'avais autant de laine. Je vais te répondre pendant que je vais aller refaire des potions. Alors pour ça il me faut du sable. Et surtout je n'ai plus de charbon, faudrait que j'aille refaire. Et des flèches aussi. Ah mais ouais, mais j'ai même pas looting en fait, je suis en train de me dire, faudrait peut-être que je mette looting sur mon épée un jour, hein, peut-être. Pour avoir plus de plumes. Alors du coup pour gérer tout ça, en fait c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que sur ton OBS, ou alors si t'es sur Streamlabs OBS, tu regardes normalement dans tes options de son, là où tu coches tes pistes etc. En gros t'as un truc qui s'appelle la piste 6 et t'as un truc qui, tu regardes, t'auras une option en mode différencier la piste VOD de la piste principale. En tout cas moi sur OBS, sur ma dernière version je l'ai, donc après je sais pas, peut-être si t'es sur Streamlabs peut-être tu l'as pas, mais en tout cas il faut que t'ailles voir sur OBS et tu regardes un petit peu dans les paramètres de son et tu verras que en gros tu auras cette petite option là. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'en gros après ta piste de musique, en fait tu la mets sur absolument tout sauf du coup sur ta piste qui sera dans la rediff. Et c'est ça la particularité, c'est que tu pourras gérer grâce à ça en fait, en gros avec cette petite option là. Et pour du coup la musique qui se baisse quand je parle, c'est un truc qui s'appelle l'audio docking que tu peux faire. Tu regardes un tuto sur YouTube, il y a plein de tutos qui est super simple à faire. Et en fait c'est une petite option, un petit filtre que tu dois mettre en fait sur tes musiques etc. Et en fait pour la faire simple c'est tout con hein, mais dès que OBS par exemple détecte que y a ma voix qui sort, enfin en mode qu'il y a ma piste micro qui dépasse un certain seuil d'audio, donc c'est à dire par exemple moi en l'occurrence c'est moins 40 dB, donc c'est dès que je commence à chuchoter ou un truc comme ça, et ben ça va automatiquement baisser de plusieurs dB mes autres pistes.
Et du coup, ça fait que bah du coup, je suis assez tranquille de ce côté-là, quoi. En fait, ça fait que du coup, bah, quand je parle, la musique et tout se baisse. Et je l'ai. Après, moi, encore une fois, il est un peu mal réglé mon truc, hein. Donc, faut pas non plus trop regarder ce que moi j'ai fait, parce que notamment, par exemple, j'aimerais bien faire en sorte que quand les autres parlent, ça baisse aussi le son de la musique. Et moi, quand je parle, ça baisse pas le son des autres. Enfin, c'est un peu compliqué. Faudrait que je me renseigne un peu. Mais voilà. En gros, ça s'appelle de l'audio ducking. Et après, tu peux regarder donc duck, bah, comme le duck, hein, le canard. Donc t'as juste à regarder après sur internet, sur YouTube, il y a plein de tutos qui expliquent comment on fait pour ça, et puis voilà. Alors je sais que du coup je devrais faire des fermes etc, là en faisant reproduire mes mobs, mais je les ferai plus tard. Là pour l'instant j'ai un peu la flemme pour être honnête. Je vais juste récupérer de la bouffe comme ça, et on verra plus tard après le jour 100 quand on aura les élytras, on va préparer la base etc. Enfin, là on va juste finir de se stuffer, de se setup etc, et on verra le reste après, d'accord. C'est pour ça que là je m'en fous un peu. On va aller chercher du charbon aussi parce que j'en ai besoin. Hop, et on va faire surtout des potions. On va préparer plein de potions parce qu'on va faire des potions bah, de force, des potions de speed, on va faire des potions de régénération, on va faire des potions de fire résistance quand on va aller dans l'end là notamment, parce que pas dans l'end mais dans le nether. Parce que j'ai pas envie de troller on va dire, donc hop. C'est quoi, est-ce que ça marche avec la blackstone ça ou pas? Ouais nickel, hein. Comme ça au moins je peux me mettre pas mal. Hop, on va récupérer ça. Bon, et on va faire nos potions dehors, hein, parce que là honnêtement j'ai un peu la flemme de me mettre à l'intérieur pour le faire. Donc on va mettre nos potions là, voilà, ça ira très bien. Hop. Voilà, hein, ça sera nickel, parce que là sinon je sens que ça va vite me gonfler cette histoire là. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va même se permettre de se faire une source d'eau infinie ici. Voilà, donc je t'ai tout expliqué, Karma. Du coup merci Kratos, merci Jenkins pour les 18 mois et 1 an d'affilée en plus. Merci Jenkins. The One pour le Prime, évidemment. Merci beaucoup. Casse-toi toi, casse-toi en fait. Personne t'aime. C'est comme ça mon gars, dans la vie personne t'aime. Ça fait peur lui. Mais pourquoi il y a un mob là qui vient? Mais oui c'est vrai que les mobs ils crament pas le jour. Putain les mobs de merde. En plus j'ai pas beaucoup de FPS avec ce shader là. Mais bon, c'est mon processeur qui est en train de péter un câble là. Vas-y viens que je te tue là. Parce qu'avec la Sharpness 5 normalement tu fais pas trop le fou là. Voilà donc merci Jenkins, merci Zawon, merci Ardouné, c'est en décalé, ça fait 3 ans que je te suis. Je kiffe ton contenu, merci pour ce que tu fais. Bah merci à toi mon gars, c'est moi qui te remercie vraiment. Hein. Avant toute chose c'est plus moi qui te remercie. Alors attendez juste je setup tout ça et puis après on va se mettre bien. Attendez, juste je vais même faire ça, hop, voilà, on va mettre nos deux fours là. Ouais je sais ça n'a aucun sens hein, mais hein, voilà, hein. On va faire cuire ça en vitesse. Hein. Normalement je dois avoir du charbon qui traîne quelque part, non? Putain j'ai vraiment plus rien, mais c'est un truc de fou. C'est incroyable comment je suis à la rue quoi. Bon on va prendre du bois en attendant, c'est pas grave, on va gagner du temps. De toute façon du bois j'irai en refaire donc c'est pas très grave. Il faut que j'organise mes coffres, hein. Je pense que ça va être ma résolution du prochain live, vu que j'aurai fini les trucs importants. On va se concentrer sur préparer notre... notre base etc, tu vois, parce que genre nos coffres et tout, parce que là c'est l'enfer, hein. Puis surtout je vais pouvoir retourner à l'endroit que j'avais trouvé au premier live là, avec la grande jungle, vous vous souvenez. On va pouvoir commencer notre base là-bas. Et ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais raser tout ce village aussi la prochaine fois. Je vais tout raser et je vais même raser toutes les feuilles etc. Et ce qu'on fera, c'est qu'on mettra des torches de partout et on enfermera tout dans un enclos comme certains me l'ont conseillé sur les lives d'avant. Je crois que j'ai trouvé pour les pistes, je vais faire des tests, merci beaucoup et bonne chance pour le kill au Manhunt. Mais ouais t'inquiète mon gars, mais on va tous vous kill les gars au Manhunt. Je crois que vous vous rendez pas compte mais mais voilà quoi. Aussi je précise un truc, pas de vocal je pense hein, pour tout le monde ce soir, sinon ça va être le bordel. Hein. Je pense, hein. Ou on verra mais en fait le problème c'est qu'il n'y a pas de mumble link donc ça va être compliqué. Ou je sais pas trop comment on va pouvoir faire mais vu que vous êtes 100 et qu'on est 5, faut... On va essayer de s'organiser. Putain mais lui il est bugué de fou lui, hein. Il est pas censé cramer. Ah mais lui il crame pas non plus du coup. Le jour. Oh la merde que c'est. C'est vrai, j'avais oublié que ça aussi ça cramait pas. Donc voilà. Ouais, pour le Manhunt, on vous donnera plus d'infos juste après. Hein. Là, on est en train encore de voir pour les équilibrages parce que bon. Pour être tout à fait honnête, ça va être dur d'équilibrer. Genre, il n'y a aucun monde où on peut gagner, tu vois. Donc on va juste essayer de rendre ça le plus équilibré possible. Parce que sinon, ça va être l'enfer, quoi. Sinon, vous allez nous rouler dessus. En 2 heures, ça va être fini. Donc du coup on va essayer d'équilibrer un petit peu la chose pour éviter que ce soit nul à la fois pour nous et à la fois pour vous aussi. Parce que le but c'est que ce soit amusant pour tout le monde. Voilà, hop hop hop. Voilà, faire plein de potions, du coup on va un petit peu se setup là dessus. Putain j'aime trop mon inventaire, je suis obligé de garder ma houe, ma hache et tout, enfin ma pelle et tout dans mon inventaire mec, j'aime trop mon stuff, ça y est. J'aime trop mon stuff maintenant, je peux plus ne plus garder ça mec, ça y est. J'aime trop le stuff que j'ai, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie totale, c'est une dingue roue. Merci BR Ninja Bay. J'espère pouvoir participer au Manhunt. Eh bien ça se passe sur mon Discord si vous voulez vous inscrire, c'est encore possible. Il faut être sub etc, parce que du coup je prends avec les subs pour que ce soit beaucoup plus simple au niveau des pseudos et pour éviter que l'IP elle leak, n'est-ce pas, même si elle va certainement leaker de toute façon dans tous les cas, puisqu'il y a forcément des petits malins qui sont là pour casser la tête, hein, bien évidemment. Mais en gros ça se passe sur mon Discord, donc il faut venir sur mon Discord
Et ensuite, eh ben vous avez un channel qui s'appelle Annonce GameSub. Hop, vous vous inscrivez dedans et puis après je repiquerai des gens. Sachant que j'en ai déjà piqué beaucoup, là il y a 93 personnes qui ont leur truc. Et voilà, alors Lapin m'a proposé pour la difficulté suivante, un gigot de moins régène par toutes les bouffes, dégâts de chute égale 50% de drop un item aléatoire. Tous les mobs ont speed 1. En vrai, ce qui pourrait être sympa, Lapin, je pense même, pourquoi pas, dans le futur, c'est de retirer les cœurs permanents comme on faisait. Genre, au lieu de d'ajouter directement de l'UHC direct, parce que pour moi, l'UHC, c'est un peu trop compliqué. Je trouve qu'avoir des cœurs en moins, par exemple, perma, ça pourrait être sympa, tu vois. Mais non, Lucas, qui offre 10 sub gift. Mais non, c'est une dinguerie, mec. Mais non. Mais c'est pour... C'est ce que tu me devais pour le bowling, c'est ça? Mais oui, c'est ce que tu me devais pour le bowling, mec. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est ce que tu me devais pour le bowling. C'est vrai, c'est vrai. Merci Razor Black aussi. Je suis plus trop sur les lives à cause de la reprise des cours, mais je peux quand même te soutenir chaque mois avec mon Prime. Bonne continuation. Merci Razor Black. Merci beaucoup Lucas. C'est très gentil de ta part. Alors voilà, du coup, ouais, pour les difficultés, en vrai, honnêtement, si vous avez des idées, des trucs particuliers, même de toute façon, vu qu'on a le temps, parce que c'est lundi hein, qu'on continuera, on laissera aussi dans les commentaires de la vidéo YouTube de l'Ardif pour qu'il y ait plein de gens qui mettent leurs idées. Si vous avez des envies, des idées de difficultés, envoyez. Voilà. Je pense que en vrai on va mettre des modifications qui sont assez simples pour l'instant. Et ce qu'on fera c'est que quand on arrivera au jour 200 on commencera à upgrade un petit peu les choses. Parce qu'à partir du moment où on va arriver jour 300, 400, 500 va falloir vraiment mettre des trucs un peu plus durs quoi. Tu vois. Parce que là en vrai on va faire le dragon en 100 jours. En sachant qu'après on a le wither à faire, on a le warden. On a plein de trucs à faire. Merci Flojo pour les 5 subgifts. On a vraiment beaucoup de choses à faire hein. Honnêtement je pense que... Non pas ça par contre. Ça on va pas faire. On va faire potion de force, on va faire potion de speed. Potion de... Ah ouais par contre j'ai que dalle en fait, je viens de capter mais j'ai rien en fait là. Ah ouais mais j'ai rien pour faire des potes en fait là. Ah ouais ça va être lourd. Ouais bon on va voir, hein. on va aviser avec ce qu'on a pour les potes là. Ah mais j'ai même pas de glowstone je suis en train de me dire mec. Ça va être un enfer en fait là, j'ai même pas de glowstone. Faut peut-être que j'allais prendre de la glowstone en deux spinant. En vrai de vrai, parce que là sinon c'est la merda là. On va aller prendre de la glowstone en vitesse, d'accord. Merci beaucoup Flojo, c'est super gentil de ta part. Pendant qu'il y a les fucking mobs de mort qui m'attaquent là. D'accord, ça passe à travers le portail ou quoi là. Merci Flojo pour les 5 subgifts. Ça va mon ref? Ça va mon ref? T'as des petits problèmes dans lui quand même. Bah... Quoi? Attends, non, j'ai cru qu'il y avait ses autres potes qui étaient venus. Regardez comme il est perdu. Regardez comme il est du père. Regardez comme il est perdu. Je sais pas où je vais, je me prends tous les murs, mon gars. Je sais pas ce que je fais. Merci beaucoup, HSA151 également pour les 3 mois. Merci, Karaset. Je claque le petit prime rien que pour toi. Attends, je vais aller voir 2 secondes ce que tu m'as dit après. Je claque le prime rien que pour toi. Ça fait 2 ans que je te suis sur YouTube et seulement 3 mois sur Twitch alors que c'est une dinguerie. Merci pour ton divertissement. Mais merci à toi, mon gars. C'est moi qui te remercie en fait, hein. Excuse-moi mais... Oh sa mère, il m'a fait trop peur, je croyais que c'était un pigmen. J'ai eu trop peur mec, j'étais en train de me dire mec, j'ai tapé les pigmen. Ok, il y a de la glowstone là-bas, c'est top. On va y aller tout de suite. Bah non mais merci à toi Karasad. Hein. Merci à toi en fait de me suivre, c'est moi qui te remercie. Hein. Hop. Hop là, mais merci beaucoup en tout cas pour ces messages très sympathiques. Vraiment ça me fait super plaisir. Bon. Du coup pour ceux qui l'ont pas regardé hier soir après l'UHC, on a fini le stuff Netherite hier soir. On était dans le Nether là, on a tout terminé. Et d'ailleurs ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé aussi une forteresse qui se trouve dans un biome basalte. Et du coup j'ai ramené cette forteresse là à mon portail en fait. Parce que la forteresse basalte là elle va nous servir de ouf pour faire une usine à Wither. Ça sera super pratique pour les beacons et tout ça parce que là sinon ça va être l'enfer. Hein. Surtout qu'en plus j'ai un projet de construction qui va me demander pas mal de place. Donc je pense qu'il va falloir mettre plusieurs beacons et tout, hein, ça va être l'enfer. Hein. Je pense que vraiment, honnêtement je vous le dis, hein, j'ai des projets de construction, d'essai, des trucs comme ça. Vraiment j'ai envie de faire des trucs dans cette survie, je te jure. C'est pas genre comme par exemple Lolicube, tu vois, là je me sens bien en fait sur ce monde là, j'ai envie de faire des trucs et tout. Et puis je sais pas, genre ça me fait kiffer ce truc là, tu vois, ça me fait kiffer. Je sais pas pourquoi mais j'avais pas la motivation comme ça quand j'étais sur Lolicube alors que là j'ai vraiment la motive. Hein. Pour le coup là j'ai vraiment la motive de fou donc... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est sympa à regarder, je sais pas trop ce que vous en pensez mais... Putain mais par contre il me saoule ces mobs là hein. Et lui il est keblo dans son truc là, ça me fume de rire. Ah mais il a tué même le... Ah oui il a tué le... Ah oh, mais ça sert plus à rien en fait que j'ai ça là, attendez. Je vais le libérer un peu pusher. Attends. On va le libérer en fait pusher. Qu'est-ce qu'il nous fait mon gars là? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Bah oui toi aussi on va te libérer mon gars.
J'ai trop peur de taper le golem et qu'il me tabasse derrière. En vrai, je te jure, j'ai trop peur de taper les golems. Hein. Je vous jure que là, je flippe de ouf de taper les golems. Je vais peut-être faire sortir lui aussi, hein, en vrai. Hein. Il y avait un mec là. Hein. Je vais pas sortir, mon ref. Ils sont où là, ces mobs de mort là? Vas-y, sors de là, là, mon gars, parce que sinon, on va jamais s'en sortir là. Voilà. Voilà, c'est mieux, hein. On va te laisser dehors. De toute façon, les golems, ils vont te protéger, y a pas de problème. Ah, il me faut de la redstone aussi, mais je crois que de la redstone, j'en ai pas. Attendez, j'ai pas de redstone qui traîne là quelque part. Vraiment, j'ai sauvegardé absolument aucune redstone, tu vas me dire là? Si, ok, ça va. Donc voilà. Hop. Vous avez des idées par hasard? Le chat, là, je vais vous écouter un petit peu là. Vous avez des idées, par le plus grand des hasards, de difficultés qui peuvent être... Ah ouais, je suis con à ce point là? Ouais. Ah ouais, je suis con à ce point là. Vous avez des idées de difficultés qu'on pourrait ajouter pour le jour 100 ou pas? Merci pour bon, allez, check TMP Twitter, plus un gros événement pour Halloween se prépare. Attends, j'y vais tout de suite. Attends deux secondes. J'y vais de suite même. Tu sais quoi, comme ça au moins, je vais te répondre en direct parce qu'après ça va être compliqué sinon. TDM sur Twitter? C'est quoi ton pseudo sur Twitter? Tu peux me re-upper ton DM tout de suite là? Parce qu'en fait, je reçois tellement de MP que du coup, je les ai pas vus. Tu peux me les réoper. Attends, mais y'a pas moyen de faire... Attendez deux secondes, hein, juste je teste un truc, mais... Y'a pas moyen de faire par hasard ça, là? J'ai entendu des bruits, ça m'a fait flipper, là. Attends. Y'a pas moyen de faire ça, là? C'est quoi ce bruit? Ah, mais c'est un chat! Mais pourquoi le chat, il fait ce bruit-là, là? Mais pourquoi tu nous emmerdes comme ça, là? Attends. Attendez deux secondes. Réope-moi ton DM et je vais y répondre de suite, hein. Ok? Acquired potion, faut que je mette ça... on va faire des potions de force 2 hein, pour le dragon, parce qu'en vrai on va pas trop se casser la tête. En fait ça va être une... Normalement c'est une formalité hein, le dragon. Normalement c'est vraiment une formalité. Il y aura aucune difficulté si tout se passe bien. Mais dans le doute, on sait jamais, parce que là j'ai pas envie de faire de la D tu vois. Attendez, juste deux secondes. Tu me dis dès que t'as MP, dès que t'as up ton MP là que j'aille voir ça là. J'ai l'impression que... Mais... Non mais par contre vous monsieur, il faut vraiment que vous arrêtiez de forcer en fait. Enfin voilà, je vous explique. Et puis ça a rien de me dire d'or hein. Voilà. Oh, allez-y les gars! Allez-y! Non mais étendez un peu les bras là les gars! Non mais les gars! Étendez un petit peu les bras quand même! Non mais y'a zéro effort, sérieux. Y'a zéro effort. Ok, j'ai rien dit. Oh la passe D de ouf qui vient de me faire. Hein. Oh la passe D de fou. Oh la passe D. Oh non le bâtard, mais j'en ai marre de ces mobs, hein, je te jure. Hein. Oh la passe D de ouf qui m'ont fait là. Merci pour ces zéros. C'est de MC plaisir. Event, je re-up dans 2 minutes. MC Event. MC Event. Ah, mais tu me l'as envoyé super loin, non? Enfin, il y a super longtemps, je pense, non? Attends, je regarde. Attends, je regarde. Bouge pas. Alors. Oh là là. Ouais, alors, je vais te répondre de suite. Le mode de jeu est cool, hein, mais comme j'ai expliqué l'autre jour en live, j'ai kiffé le jouer une fois, mais je vais pas en refaire en boucle, tu vois. Je trouve que le mode de jeu, au bout d'une ou deux games, se répète très très vite. Donc je t'avoue que du coup, je compte pas en refaire de suite, là, pour l'instant. Mais c'est gentil de proposer, mais en tout cas, ouais, je comptais pas en refaire de suite, parce que... Bah, je t'avoue que j'ai fait trois games, et l'autre jour, et bah, j'ai fait le tour du jeu, quoi. Même avec une nouvelle map ou quoi, le principe reste le même, donc... En soi, voilà quoi. Par contre, attends, j'ai fait de la D, non, je crois. Non? Ah non, c'est bon. Non, c'est bon. Du coup, là, c'est good. Fire Resistance, c'est bon. On va faire des Strength 2 à mort. Donc voilà, ouais. Donc merci pour la proposition. Mais je t'avoue que là, pour l'instant, j'ai d'autres trucs en tête, on va dire. Pour l'instant. Surtout pour Halloween, j'ai d'autres projets aussi. Donc, du coup, là. Mais merci de la proposition, par contre. Alors, par contre, j'ai un problème, c'est que je peux pas refaire de Fire Resistance. Faudrait que j'aille dans le Nether me faire les Blaze, hein, quand même, en vrai, rapidos, là. Hein. Faudrait peut-être que je me dise que j'aille faire ça, hein. Donc hop, attendez deux secondes que je récupère tout ça. Attends, mais c'est quoi les potions que j'ai ramassées là? Ok, c'est les Acquired Potions. Attendez que je m'embrouille avec mes potes là, donc on va peut-être pas trop faire de la merde. C'est quoi toutes ces Acquired Potions? Ok, là, on va peut-être se refaire encore du speed au cas où, histoire d'être tranquille, parce que la speed ça s'épuise vraiment vite. Hein. Pour le coup là, la speed c'est vraiment très très très... Bref, puis en vrai le reste, je vois pas trop d'intérêt à faire le reste pour l'instant. Les autres potions en vrai, honnêtement, je vois pas trop d'utilité là pour le coup. À la limite, avoir des potions de heal 2, pourquoi pas. À la limite, des potions de heal 2, ça peut le faire, pour le coup. On te redira pour la vidéo qui est en préparation. Ça marche, bah merci, merci mon gars. Y a pas de problème. Ouais, si vous sortez des nouveaux trucs, ouais, pourquoi pas, tu vois.
Moi j'aime bien jouer avec de la nouveauté en fait. En ce moment il y a un truc sur Minecraft, hein, et je pense que beaucoup vont être d'accord avec moi, mais moi je me lasse très facilement en ce moment des trucs sur Minecraft. Genre je trouve qu'en fait on se fait un peu chier sur le jeu. Voilà. Et du coup le truc c'est que quand il y a des nouveaux trucs qui sont créés, bah c'est vraiment pas dégueu tu vois. En vrai je vais rester sans shader pour l'instant là. Mon PC il a un peu du mal aujourd'hui, donc en vrai ça fait du bien d'être sans shader aussi là, d'être juste en vanilla comme ça là. Attendez. Hop. Ne vous inquiétez pas, hein, j'ai pas remis le shader mais c'est normal hein. C'est qu'en vrai je vous avoue que mon PC il a un peu du mal aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Mais tout à l'heure quand j'essayais de prendre, enfin j'ai fait un truc pour une miniature mec, je peux te dire il a tellement douillé, je fais bah qu'est-ce qui t'arrive mon ref là. Ok on va faire encore du heal 2 et on est bon après je pense. Hop hop. Voilà là on est pas mal, en termes de potes je pense qu'on est bien là. Ah merde j'ai oublié de mettre la glowstone. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Qui c'est qui a tapé un pigman là? Oh non. Merci Bitoku, ça fait plaisir. Même si ton pseudo, hein, voilà, on va rien dire, mais t'as capté. T'as capté ce que je veux dire. Hein. On va faire ça. On va mettre les potions de heal 2 là-dedans pour l'instant. Ouais, de toute façon, j'ai fait trop de fioles d'eau déjà pour commencer. Hop. Hop. Voilà. On va récupérer ça. Ou on va les jeter, hein, c'est pas grave. De toute façon, avec tout ce que j'ai là, hop. Y a pas de souci, awkward potion, on va remettre ça. Et ben voilà, on a plein de potes. Donc c'est nickel. On va prendre quelques potions de heal 2 pour aller faire tout ce que... Bon allez, les blazes et tout ça, on s'en fout. En fait, c'est surtout les potions de fire resistance. Parce que si vous avez vu le live d'hier soir, vous avez vu que j'ai failli clamser. Parce que les blazes, ils me shootaient quand j'étais en l'air. Et j'ai failli tomber dans le vide avec ça. Donc du coup, bah... Enfin, si je tombe dans la lave, en fait, malheureusement, j'ai pas de perles. J'ai beau avoir 6000 totems, je vais crever, quoi. Hein. Donc, dans tous les cas, j'ai pas envie de prendre de risques, je vous avoue. Faudrait vraiment que je fasse des coffres pour trier, là. Hein. Putain, là, ça devient vraiment critique. Faudrait vraiment que je fasse quelque chose, là. Là, c'est une galère, mec. Hein. Je te jure, là, c'est une... Je sais pas ce qui se passe, mec, mais là, c'est... Je m'en sors plus dans mes trucs, là. Hein. Vraiment, j'ai plus aucune place nulle part. On va foutre ça là-dedans, vite fait, là. Bon la bouffe on va la garder parce que c'est important. En vrai il faudrait que je me refasse un autre coffre bordel. Mais j'ai trop de trucs en fait, j'ai trop de trucs je sais pas quoi en foutre là. Y'a pas du bois qui... Ah bah si attends du bois j'en ai sûrement en fait. On va se refaire un autre double coffre vous savez quoi. Voilà ce sera mon deuxième coffre bordel. Hop. Voilà. Ah ouais mais du coup avec ça Ouais de toute façon dans tous les cas j'ai envie de vous dire. Voilà. Allez, mon deuxième coffre bordel, on va tout foutre là-dedans pour l'instant. Hop, hop. De toute façon, je ferai un tri là de mes coffres après, parce que sinon ça va être une galère. On va se faire quelques plumes aussi. On va se faire quelques plumes, peut-être rapidos. Merde, j'ai oublié la glowstone du coup. On va y arriver, hein, les gars, on va y arriver. Hein. Promis, on se prépare un peu, après on va aller faire les blazes et tout là. Bon, sinon ça raconte quoi? Ouais, du coup, on en était... Ah oui, on disait, est-ce que vous avez des idées peut-être de difficultés ou de trucs comme ça, peut-être éventuellement, qui pourraient... Ah mais attends, mais j'ai lightning par contre. Non? Pourquoi c'est super clair là? Et pourquoi c'est super clair comme ça? Attends mais je viens de capter mais Ah ouais là c'est un peu clair là en fait. Attends. On va remettre le shader, ça va enlever le... Ah mais c'est le full bright de Lunar qui fait ça. Ah mais c'est le full bright de Lunar qui fait ça, mais oui, c'est pour ça en fait. Ok du coup oui, vous avez des idées de difficultés, de trucs comme ça, remettez vos idées, comme ça je vous lis tout un petit peu là. Ouais, des cœurs au moins, ça on va le garder après. Est-ce que les doubles points de vue t'intéressent? Genre en mode je record mon point de vue. Oui, je veux bien que tu m'envoies, Tony. Je veux bien que tu m'envoies si tu records, ouais. Changer le slider de brightness, sinon ça... Ah, mais oui. Mais oui, t'as raison, mec. Mais c'est vrai que le... Mais oui, c'est le mode... Oui. Non, mais t'as raison, en fait. T'as raison. T'as déjà des blaze rods. Oui, mais j'ai pas de perles, Yacine. Oui, c'est j'ai des blaze rods, mais pas les perles. Voilà, la respiration divisée de moitié. Nouveau mob, moins 6 cure perma. Non, mais mec, ça va, frère. Non mais moins 6 cœurs perma. Non mais je suis mort. On est au jour 100. Le gars il veut me... Ah bah allez, t'es déjà un demi cœur mec. Allez on te met un demi cœur et après on verra hein. Bah il faut que tu te débrouilles. Attends on va pas déconner non plus hein. Oh, des creepers explosifs qui spawnent sur toi aléatoirement. Mais mec c'est exceptionnel ça. Vraiment des idées de malade hein. Hésite pas mec hein. Si vraiment t'as des idées comme ça, hésite vraiment pas hein. À ne pas me les donner en tout cas. Hésite vraiment pas. Vous savez ce qu'on va faire en attendant? On va aller faire les blazes. Enfin pas les blazes mais les Enderman déjà. Par contre j'ai un... Ah mais non mais je m'en fous, je vais les taper avec ça en fait. J'ai pas looting, j'ai rien mais on s'en fout, on va les faire à la main hein. C'est pas très grave. J'ai pas de chest là? Ah si, enfin de bot je voulais dire. Voilà, on va aller faire direct les Enderman comme ça au moins ça sera fait. Hop. Faut que je trouve un biome bleu par contre hein. Un biome forêt bleu. Comme ça on enchaîne. Les mobs passifs deviennent agressifs. Ouais mais tu veux que... Monsieur faut plus me faire des frayeurs comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici là? La durabilité divisée par deux, ça sert à rien, j'ai mending sur mon stuff. Ça sert plus à rien les gars. Ça sert à rien. Effet random sur tous les mobs. Ça ouais, ça pourquoi pas. Effet random sur tous les mobs, c'est pas mal ouais.
Ou de leur mettre force ou un truc comme ça, ouais. Effet random sur tous les mobs, ça m'a l'air pas mal. Dès que tu tues un mob, il y en a 3 qui est du même type qui spawn. Ouais, et du coup, tu sais, c'est en boucle. Hein. C'est pas con, ça, ouais. Sinon, en vrai, ce que tu dis, Gab, c'est pas con. Mais de faire ça en mode... D'avoir une chance que, par exemple, quand tu tues un mob, il y ait X% de chance que, du coup, ça spawn, tu vois. Quoi ? Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Pourquoi il y a un chat, ici, là ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là ? Tu vois, quand tu tues un mob, il y a une chance sur, par exemple, je sais pas, 30% de chance que ça spawn 3 mobs aléatoires, tu vois. Par exemple. Avec une proba, c'est pas mal. Ça éviterait comme ça le fait bah, que ça soit genre impossible et que ça spawn à l'infini, tu vois. Par contre, là, pour trouver un biome forêt bleu là-dedans... Ok, j'ai cru qu'il y avait une forteresse, hein, quand même. Hein. Oh, monsieur ! Pourquoi je ne vous vois pas, en fait, là ? Vous vous foutez de ma gueule ou quoi, là ? La render distance du serveur, elle est à combien, Mathieu ? Elle est à 16 ? La render distance du serve, elle est à 16 ? Parce que là, j'ai l'impression que ça spawn loin. Hein. Tous les mobs peuvent spawn dans l'overworld, y compris les mobs du Nether et de l'End. Il y a un biome forêt bleu là-bas, je l'ai vu. Ah ouais, mais d'avoir des ghasts, mec, dans l'overworld, on va pas s'amuser, je pense. Hein. D'avoir des ghasts dans l'overworld, on va pas rigoler. Hein. Après, des shulkers dans l'overworld, ça, mec, ça c'est quelque chose. Hein. En vrai. Hein. Ah non, les ghasts dans l'overworld, ça, on va pas rigoler, mec. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Hein. T'es pas trop marrant hein, comme type. Hein. Non, mais en vrai, les gars, vous savez quoi ? Si vous avez des idées, des trucs comme ça, mais envoyez-les-moi en DM aussi sur Twitter. Ce sera plus simple. Envoyez-les-moi sur Twitter, sur Insta ou même dans les commentaires de la VOD YouTube. Je pense que ça sera plus simple pour qu'on puisse s'y repérer, qu'on puisse trier. Je t'ai envoyé un projet sur Insta, je voudrais que tu me dises ton avis en espérant que ça te plaise, sinon je te suis depuis YouTube. Ouais. Alors j'irai voir, parce que... Alors les DM Insta, je pense que je répondrai surtout demain, les gars. Parce que demain, j'ai une petite heure de train, là, donc je vais sûrement vous y répondre. Putain, mais mec, il y a des forteresses de partout. Mais attends, mais il y a 2 forteresses dans le biome basalt, là. Mais attends, mais c'est un truc de fou, quand même. Il y a quand même 2 forteresses dans un biome basalt à côté de mon portail. C'est un truc de fou. Bon, celle-là, par contre, elle est un peu... En vrai, elle est assez opti, celle-là. Hein. Oh, regardez tous les withers qui spawnent dedans. Mais c'est une dinguerie, mec. Hein. Pour farmer les withers, ça va être tellement facile. Ah, ça va être tellement simple. Je te jure. Hein. Est-ce que je ferai un petit peu de minage? Ah bah de toute façon j'ai pas le choix là. Il faut que j'aille faire du charbon un peu après là. Hein. Parce que j'ai plus de charbon. Hein. Donc dans tous les cas, ouais. Oh les pénézerites. Ah non mais c'est la mienne. J'étais en train de me dire putain l'épée de ouf. Qui m'a looté le wizard. Incroyable. En dessous de 7 gigos t'as slowness et weakness. Alors, on va juste dire un truc. Moi, je pense qu'il faut des difficultés qui augmentent la difficulté des jeux, mais pas quelque chose qui soit en mode... tu sais, c'est en mode, c'est une plaie de jouer au jeu. Tu vois, parce que franchement, ça, les effets en mode t'as slowness, etc. Alors ça, c'est rigolo, hein, mais ça va vite m'empêcher de prendre du plaisir sur le jeu, pour être honnête. Voilà. C'est un peu le problème, c'est qu'en fait, il faut pas que ça devienne comme The Last of Us, où à la fin, c'était une plaie de jouer, parce que mec, on avait 5 heures perma, on avait machin, etc. Et franchement, tu sais, j'appréciais plus le côté survie, en fait. J'étais en mode vite que ça se finisse, parce que j'en peux plus, en fait. Tu vois, à chaque dégât que tu prends, tu as 5% de chance de choper l'évitation. C'est quoi cette difficulté de merde? Mais il y a des forteresses de partout! C'est quoi cette merde? Il y a des forteresses de partout, mec! Pourquoi, quand on est en survie normale, il n'y a jamais de forteresses? Enfin, dans des autres survies, quand on en a besoin, il n'y a jamais de forteresses. Et là, mec, où j'en ai pas besoin, il y en a plein, quoi. C'est un truc de fou. Que des withers à la place des squelettes, hein. Ah, des withers, carrément. Bah, j'ai compris que tu voulais dire wither squelette, mais c'était marrant comment tu l'as dit. Je sais pas ce que t'as mis sur la configuration serveur, Mathieu, mais genre ça spawn tellement bien les mobs, c'est un plaisir, hein, vraiment. Hein. Vraiment, hein, je te jure que c'est un plaisir. Hein. C'est une dinguerie. Ok, et 3 perles déjà. Ouah, ça va vite, hein, par contre. Hein. Le dragon a un full netherite, alors ça, c'est pas possible dans Minecraft, ça. Ça, on veut bien, mais ça, c'est pas possible dans Minecraft. Faut quand même se rappeler qu'il faut faire des trucs que ça reste quand même faisable dans Minecraft. Hein. Rappelons-nous, parce que là... On a pas de mode, hein, je vous rappelle, les amis. Hein. On n'a pas de mode, hein, on est en vanilla, là. Par contre, le modé, ça arrivera une prochaine fois. J'aimerais bien faire 1000 jours en hardcore en modé. Genre 1000 jours sur RLCraft, hein, tu vois, par exemple. Là. Oh, en vrai, ça, c'est un banger, hein, par contre. Hein. 1000 jours sur RLCraft. Hein. Bon, je pète mon crâne, je pense. Hein. Déjà, je pense que je meurs au premier live, je pense, déjà. Je pense. Hein. Mais ce que je vais faire, c'est que, voilà, c'est un truc que je vais dire, une fois que j'aurai fini les 1000 jours comme ça, je vais faire 1000 jours en modé, 1000 jours avec un modpack, 1000 jours en ultra hardcore, 1000 jours avec un demi-cœur, tu vois, des trucs comme ça. En gros, genre, on relancera toujours une survie, mais avec un concept différent. Parce qu'en fait, je pense que j'ai envie de faire plein de trucs dans mes survies, mais autre chose, tu vois.
Ça peut être super cool en vrai. Même faire des trucs en multi en vrai, hein. Faire en mode une série multi, genre 1000 jours avec un streamer, un youtubeur ou quoi que vous appréciez, ça peut être sympa en vrai, hein. No fake, hein. Tu vois? Ça peut être vachement sympa en vrai. Genre en mode par exemple, tu vois, si... je sais pas, on a un système de vie entre nous ou quoi. Par exemple sur RLCraft, tu vois, si on le faisait à deux, si on vient à mourir, ça nous enlève genre un cœur perma, tu vois, jusqu'à ce qu'il nous en reste plus que zéro, tu vois. Et là, dans ces cas-là, tu meurs définitivement. Tu vois, un truc comme ça. Ça pourrait être trop bien, tu vois. Du style l'entre du maître. Il fait ça, l'entre du maître? Il fait ça? Ça me semble bizarre, non? L'entre du maître, je regarde quand même ses vidéos, enfin... 1000 jours avec Kaipierre, ouais, c'est ça, ouais. Mais en vrai, je pense que quand tu auras le prochain Holy Cube qui va ouvrir, je ferai 1000 jours en ultra hardcore dessus. Ce sera plus marrant en vrai, je pense. Ça pourrait être vachement cool. Ce que je voulais faire déjà de base, hein, dans cette série. T'as lu mon message trop tard. Hein. Ah, ok. Ouais, parce que je me disais, c'est bizarre, l'entre du maître fait pas trop ça. Hein. Enfin, j'ai vu qu'il a commencé une nouvelle série là où c'était 1000 jours dans le Nether. Mais par contre, ça a rien à voir, quoi, tu vois. Avec moi, ce que j'ai envie de faire, pour le coup, ça a vraiment rien à voir. Hein. Moi j'ai envie de faire des trucs avec difficultés différentes on va dire, tu vois. Pour le coup ouais, c'est le principe reste le même parce que bah, c'est le même concept en soi. Mais sur la forme, la manière de faire etc, ce sera jamais la même chose tu vois, donc voilà. Mais l'Enderman dans un bateau ils t'attaqueront pas. Oui bon là après mec franchement les Enderman dans le bateau ça sert surtout quand quand t'as peur de crever. Mais moi avec mon stuff et le fait que ce soit du mending etc, je risque pas de mourir hein, vraiment. T'en fais pas là mec, je suis tranquille hein. Je peux prendre tous les dégâts du monde, là je suis tranquille hein. Donc ouais. Oh, 1000 jours dans laser. Oh la dinguerie mec. Oh la dinguerie. Voilà, ce serait plutôt 100 jours dans laser je pense hein, mais bon hein. Mais attends, mais vous avez des idées de fou le chat hein, mais c'est un truc de fou. Vous avez des idées de malade, mais j'ai envie d'arrêter cette série et commencer vos idées hein, ça y est hein. Mais c'est un truc de fou mec, vos idées par contre là. Merci Foxy pour les 3 mois de sub Toxine, pour les 20 mois de sub en tier 2 en plus. Mais désolé, 5 minutes de retard, excuse-moi. J'étais occupé mais c'est incroyable. Ils font rien les Enderman, t'es invincible. Ah bah après bon, c'est pas comme si j'ai passé 91 jours à faire du stuff quoi. C'est-à-dire que ça fait littéralement 2 semaines, 3 semaines là depuis que j'ai commencé cette série que je fais du stuff hein. C'est-à-dire que j'en ai chié hein. Donc là ouais, mais vous inquiétez pas, la difficulté va augmenter hein. La difficulté va augmenter. Clairement. Oh, 1000 jours Pixelmon, moi qui voulais refaire une aventure Pixelmon. Y'a pas quelqu'un qui l'a déjà fait ça? Ça me dit quelque chose. C'est pas Josplay qui l'a fait ça? 1000 jours Pixelmon. Ah non, lui c'est genre 1000 jours Demon Slayer, je sais plus quoi lui. Oh, mais mec, c'est un concept de malade! Mais attends, mais vu que ma chaîne elle tourne autour en plus des animés, 1000 jours avec le mode Demon Slayer ou un truc comme ça? Incroyable, attends! c'est le concept parfait pour ma chaîne, ça va percer de ouf ça! Mais mec, attends, mais en vrai le concept est inépuisable! Ça me fume de rire! Le concept est inépuisable, vraiment! Oh, ça me fume sa mère! Le concept est inépuisable. 1000 jours avec un mode One Piece dans une map One Piece. C'est inépuisable, mec. Le concept est infini, mec. Oh là là, 1000 jours avec Nino. Mais tiens, t'as envie que ça dure un jour, toi? T'as envie que ça se finisse au premier live, ça? Mec, 1000 jours avec un casque VR. 1000 jours en hardcore en VR. Avec le casque VR. On peut trouver des idées à la con, toujours plus, hein. Vraiment, en fait, les idées à la con sont celles qui sont le plus intéressantes, en vrai. 1000 jours en apnée IRL. Ok, je commence maintenant. Ok, on arrive au jour 2. Tu vas gerber si tu fais ça. Mais mec, en vrai, il y a des concepts de merde à faire, mais qui sont trop drôles, en vrai. Franchement, il y a des concepts de merde à faire, mais j'ai trop envie d'essayer, tu vois. C'est fini. Et oui, j'ai perdu, les gars. J'ai perdu les 1000 jours en apnée en hardcore. 1000 jours sans respirer en hardcore. 1000 jours sans respirer sur Minecraft. Le titre fait 100 milliards de vues. Personne n'a déjà fait cette vidéo. Alors là, personne a fait cette vidéo, hein, je vous le dis. Hein. Tu dois trop envie de faire du hardcore, mais je suis sur Bedrock. Bah après, tu le fais toi-même si tu veux. Genre, tu mets ta difficulté en difficile et dès que tu meurs, tu considères que t'as perdu. Fais ça, mec, hein. Tu te crées ton propre monde hardcore, même sans la difficulté hardcore. Je pense que tu peux largement le faire, hein. No fake, hein. No fake, les gars. Non, elle me saoule, cette musique. Elle me gonfle, là. Ça me saoule, ces musiques, là. J'avais des musiques de fou, elles sont plus là. J'allais te péter mon crâne. Ah, celle-là. Ouais voilà, celle-là elle est bien celle-là. Écris ta propre histoire. Mais c'est ça mec. L'important c'est pas les cartes, c'est ce que tu en fais. C'est un grand philosophe qui a dit ça. Je te dirai pas qui c'est. Mais c'est un grand philosophe. Et il fait des belles vidéos en hardcore. Allez deux.
Je vais mourir. C'est la fin des 1000 jours hardcore. On va pouvoir passer aux 1000 jours avec laser. Trop bien. Ah bah contre, mine de rien, je suis quand même full P4 Netherite. Ils m'ont quand même mis presque mid life. Hein. 2 Enderman. Hein. Quand même. Hein. 1000 jours sans parler au chat. Hein. Ah bah ça, c'est ce que je fais tout le temps dans mes streams. XD. XD, XD. Mille jours sans parler au chat. Merci Yozy Live, merci beaucoup. Clairement, ouais. Oh là 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 là. 1000 jours sans courir. Non, ça c'est chiant par contre. Hein. Ah non, par contre, ça je vous le dis direct, on n'ajoutera pas de difficulté en mode. D'ailleurs, faut que je garde Delta Fox pas loin là. Hop, voilà, juste comme ça. Bonjour, c'est le temps de couper la VOD. Ah bon? À la fin de l'épisode, non? À la fin de l'épisode, on coupe, non? Enfin, au jour 92, non? Jour 92, 96 et jour 100, non? On fait comme ça? Ouais, je vais la couper soon. Non, 1000 jours sans sauter. T'imagines les trucs comme ça, là, où on rajoute la difficulté de pas sauter, etc. Ça, c'était dans The Last of Us, et je vous le dis, je le referai pas. Hein. Voilà, si jamais... Merci le GIGN pour le raid. Alors, le GIGN me raid, hein. Qu'est-ce que... Oh, c'est marrant, ça. Attends, il y a un mec à créer... Attends, il y a un mec à créer un live, qui a lancé, qui a regardé son propre stream avec un viewer, et il m'a fait un raid... Pour avoir la vanne, merci le GIGN pour le raid. Attends mais c'est trop drôle. Attends mais c'est trop drôle. C'est trop drôle. Il y a un mec, il a créé un compte le GIGN, il a lancé un live, il a regardé son propre stream pour pouvoir faire un raid. Mais c'est incroyable. Non mais c'est exceptionnel. Mais c'est exceptionnel. Pas fait exprès. Si si si. Pourquoi un mec s'appelle le GIGN et fasse un raid à un viewer, je pense que mec... Ah ouais non t'es trop fort mec, c'est incroyable. Non mais attends là c'est masterclass. Non mais c'est une masterclass hein. Bon bah le GIGN arrête chez moi les gars. Le GIGN arrête chez moi, ça fait plaisir. Ah ouais là... Là c'est incroyable. Imagine le GIGN te raide vraiment. Bah après je t'avoue que j'évite de penser à ça parce que si un jour ça arrive ça veut dire que je me suis fait swatter donc bon. Et là ce sera un peu moins rigolo là. Là on rigolera un petit peu moins tu vois. Imagine c'est le foreshadowing de swatting bref hein. Ah non, hein, s'il te plaît. Hein. Ah non, commence pas à dire des malheurs comme ça. Hein. Ah, commencez pas. Hein. Commencez pas. En ce moment, j'ai d'autres trucs à gérer plutôt que ça. Hein. Franchement, hein. C'est finito à ce moment-là. Ah non, c'est plutôt lui qui est finito, mon ref. C'est plutôt le gars qui fait ça qui est finito. On va dire. C'est plutôt le gars qui est finito. C'est pas moi qui suis finito si un jour je prends ça, tu vois. Parce que moi, je t'avoue que bon. En fait, quand j'ai envie de faire un truc, je lâche pas trop l'affaire, tu vois. Donc, c'est-à-dire que là, s'il y a un mec un jour qui me fait ça. Mon gars, je te jure que je vais l'amener devant le tribunal et j'y serai, mon gars. Je te le dis. Hein. J'y serai devant lui. Hein. Même si ça se fait dans 10 ans, j'y serai. Hein. Par contre... Bon, je me barre, non? En vrai, vous en pensez quoi, là? En vrai, on a 7 perles, non? Ça fera le taf, je pense, hein. En vrai. Je pense qu'on se casse, hein. Je pense qu'on est bien, là. On va creuser, hein. J'ai la flemme, hein, les gars. On va creuser tout droit, hein. Je vous le dis. Clairement, hein. Hop là, là y a rien par contre. Tu fais l'end, oui. Ah oui c'est la fin, c'est le jour 92. Allez YouTube, il faudra que je trouve un titre pour cette VOD, ça va être compliqué. Hein. Allez, à demain pour la suite. Hein.